Thank you.
au tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Kiegboro Kamara, venez s'il vous plaît. M. Aboubakar Diakité Ditumba. Monsieur Marcel Guilavogui. Voilà, monsieur, voilà, je vous appelle pour vous poser un certain nombre de questions sur quelques points de contradiction qui ont émergé de vos différentes déclarations. Il est ressorti de vos différentes déclarations que le 28 septembre 2009, après ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes tous retrouvés à un certain moment au niveau de la clinique Pasteur. Donc le tribunal va vous poser des questions sur ce qui s'est réellement passé à ce niveau. On va commencer par M. Diakité Boubacar. Au niveau de la clinique Pasteur, vous avez dit que M. Marcel a sorti une grenade et j'étais en présence de M. Moussa Kiegboro Kamara. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je le confirme, puisque ce jour-ci, le colonel Kiegboro à la bonne volonté de décrire les événements tels qu'ils se sont passés. Ce jour, nous n'étions même pas arrivés au même moment à la clinique. Moi, je les ai laissés derrière parce qu'on n'était pas dans le même programme. Je ne m'attendais même pas si j'étais suivi. Comme je l'ai toujours dit, ils étaient arrivés simultanément. Moi, j'étais déjà là-bas
avec les leaders comme ils sont venus le témoigner ici. Alors, c'est à leur arrivée, je les ai vus, ils sont descendus, venir. Voilà, Marcel a sorti la grenade, il y a eu des disputes là-bas, mais moi je me suis imposé sur Marcel. J'ai dit, qu'est-ce qui lui arrivait, qu'est-ce qui le prenait? Donc on ne s'est pas compris, mais finalement il est revenu sur des bons sentiments. Et puis, c'est comme ça, moi j'ai quitté, je ne savais pas non plus si j'étais poursuivi jusqu'à l'état-major de la gendarmerie. C'est lorsque j'ai débarqué les leaders et que j'ai constaté que le leader Jean-Marie était récupéré encore avec Marcel. Donc c'est là-bas encore, je les ai laissés, c'est vers Amdala, je l'ai constaté, vers le petit port du Moins, je l'ai constaté, derrière moi, et donc Teboro, c'est là-bas, moi j'ai cessé de le voir. Je ne connais pas son programme, rien, mais lorsqu'il soutient ici, que lui il est arrivé à la clinique, qu'après Toumba est venu avec son groupe, sortir de la grenade pour l'attaquer, ah, moi je demanderais au colonel de me demander excuse. Devant Dieu, de me demander excuse. Monsieur voilà. Camara, oui. Moussa Kiegoro, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Merci monsieur le président. Je pense que quand on parle, il faut mettre un peu ce qu'on appelle la logique. La logique devant un tel débat est très importante. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du micro? On a du mal à comprendre ce que vous dites. Que oui. Lorsqu'on est devant une situation comme ça, il faut aller sur la logique. C'est extrêmement important. Comme Thomas vient de dire, comment ils sont arrivés à l'esplanade, à la clinique et à Mourad Paré, je ne sais pas comment ils sont venus. Mais il n'y a même pas de débat. Voilà, rectifie, c'est au niveau de la clinique Ambroise, hein, pas Pasteur, clinique Ambroise. Non, Ambroise Paris, j'ai dit. D'accord. Je me suis rectifié. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Parce que la logique est claire. Nous sommes dans une situation de drame. Ce qu'on a constaté au stade, personne ne peut décrire. Parce que quand tu tires à l'arme, à pas le réel, il y a problème. Comme il a dit, il m'a trouvé, j'ai pris d'Alain et autres là, moi je suis venu, je suis monté dans la voiture, j'ai continué à me réparer. Et je suis parti seul, comme Baboué l'a dit ici, seul, comme le directeur général de la police, et M. Shoujo Moumouhaba, je ne sais pas, a dit ici. Arrivé à me réparer, j'ai garé la voiture devant la porte. L'amour a disparu. Juste à quelques centimètres de la porte. Je n'ai trouvé personne là-bas. J'étais le premier à y arriver, comme Baboué l'a dit, ici. Et entre-temps, j'ai ordonné des braquadiers de venir prendre, descendre le leader Selou Dalé. Descendu. Ils l'ont envoyé à l'urgence. C'est dans cette position, moi j'étais dû arrêter, j'étais descendu, effectivement, j'étais arrêté à côté de la voiture, comme c'est moi-même qui pilotais. C'est dans ce moment que j'ai vu du bruit derrière, ça criait. L'un d'entre eux a dit, si certainement c'est Mancette dans sa deuxième sortie, ils ne sont même pas descendus de la voiture. Entre deux voitures qui contiennent des blessés, celui qui est ou celle qui est arrêtée devant la voiture, dont le leader est descendu, il est déjà en traitement, et celle qui est garée derrière la route, l'autre côté, entre les deux qui est arrivé le premier. Ils attendaient quoi? Les photographes? Il me dit non. Donc, moi, je ne discute pas sur ça, c'est la logique. Moi, je suis venu, il n'y avait personne. Si ils venaient avant moi, ils allaient trouver le leader dedans, à la clinique. Moi, Daniel est descendu, il a été admis. C'est en ce moment, le tour a commencé. Et celui qui est venu vers moi, c'est pas Marcel, je n'ai pas peur de Marcel. Marcel dit ici, non, j'ai voulu arrêter, j'étais gros. C'est du triomphalisme. C'est du triomphalisme, pur et simple.
Et moi, je me dis, mais pourquoi pas dire la vérité? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé à Mouraï Paris n'incrimine personne. C'est un fait qui s'est passé après le drame. Mais il faut pouvoir dire la vérité, c'est très important. Monsieur Camara, qui a sorti, s'il vous plaît? Qui je l'ai dit ici. Qui a Monsieur sorti? Le Président, je reviens suivez-moi. Oui. Qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paris? Quand j'ai dit que quand le groupe de Touma est arrivé, celui qui a fait sortir la grenade, c'était deux jeunes. Mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés. Je l'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés. Est-ce que vous voyez? Les moins gradés qui ont traversé la route parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route. Qu'ils ont traversé, qu'ils sont venus. Comme Bagouri l'a dit ici, hein, c'était les moins gradés que je ne connais pas. C'est eux qui nous ont menacés. Si c'était la menace de supposée de Marcel, en quoi c'est possible? C'est moi qui suis menacé, nous sommes militaires. En quoi c'est possible? Je peux dire, faire sortir un talent et continuer en vie. Donc c'est... aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est monsieur Aboukar Diakité Toumba qui a sorti la grenade. J'ai dit qu'il était venu avec les gens. Ce sont eux-là qui ont fait sortir la grenade, même dans ma déposition. Je n'ai pas vu tout le monde avec la grenade. Il vient de m'opposer avec lui dans ce sens-là. Que quelqu'un prouve le contraire. Et c'est vrai. Mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus avec eux dans leur convoi. Nulle part, Marcel m'a suivi. Nulle part, je l'ai suivi. C'est que Dame Bagouri l'a dit. Même ça quand veut dire que vous n'avez pas vu M. Marcel à la clinique à Ambroise Paris. À la clinique, j'ai vu les gens crier derrière, mais je n'ai vraiment pas observé Marcel. Est-ce que vous avez vu M. Marcel à la clinique à Ambroise? La clinique, comme je l'ai dit, que je ne l'ai pas observé. Ceux qui ont traversé la route, qui est venu tout Monsieur Marcel, suivez-moi, j'ai pas fini. S'il vous plaît, c'est bon, c'est vous avez, hein, s'il vous plaît, en confrontation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Vous n'avez rien à apprendre au tribunal. Vous avez répondu à la question déjà. Quand on vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Okay. Monsieur Marcel, la même question. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas mentir sur ma propre personne en disant que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Ce que tu n'as pas fait, tu ne peux pas prendre ce chapeau, mettre sur toi. Pour la clinique Ambroise, j'ai bel et bien dit, vu les agissements que j'ai vus, vu tout ce que j'ai compris, de tout ce qui est passé. Moi, j'étais derrière Tegro, le colonel. Toumba était déjà à la clinique. Mais ce n'est pas des longues minutes, 2 à 3, 4 minutes comme ça. Mais ce n'était pas des convois qui se suivaient à la queue leu-leu. Arrivé à la clinique, moi, je n'ai pas vu un leader à terre, ni le leader, le président Selouda Lengalo, débarquer. J'ai vu l'atmosphère de ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai vu que le colonel Tegro vraiment nous ont trahis. C'est ainsi que j'ai fait sortir la grenade. C'est la seule défense que j'avais. Je l'ai menacé. C'est ce que vous avez fait. Vous avez vu comment vous avez gâté de ce pouvoir. Je criais. C'est en ce temps, Toumba est venu. Marcel, il y a quoi? J'ai dit, mais tu ne comprends pas? Si tu laisses les leaders là ici, voilà ce qui va se passer. Mais Toumba et moi, on se comprend. Toumba ne peut pas me parler que je refuse. Sinon, quand quelqu'un a une grenade, personne ne peut. Vous fouillez, vous quittez. Ça frappe la circonférence des rayons. Donc Toumba, il a compris. Il est monté dans sa jupe avec ce dont il en avait. Et on a continué. Vous venez d'entendre M. Moussa Kéboro qui dit qu'il ne vous a jamais vu à la clinique. Mais c'est ça, M. le Président. Vous qui êtes assermenté au jugement, pourquoi il nie cela? Et pourquoi Marcel va t'attribuer à ça? Qu'est-ce qu'il cache? Je peux?
Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Et je suis vraiment meurtri d'un étonnement grave. Et qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de dire « c'est lui qui a fait sortir la graine contre moi, en personne ». Qu'est-ce qui pouvait pousser aussi les CDA et tous les leaders qui ont passé ici, même ceux qui ont passé là-bas, qui étaient sur la scène, dire qu'ils ont menacé. Mais moi, je vous dis, j'étais avec Baouri, arrêtez avec Baouri. Allez demander Baouri, maintenant, il a dit ici. Ceux qui sont venus vers nous n'étaient pas Marcel. Et Marcel, là, ils n'ont pas traversé la route. Leur voiture était garée derrière la route. Et moi, j'étais déjà garé devant la porte. Dans les têtes des gens, quand il dit que il y a des gens devant dans les c'est pas vrai. Ils ont trouvé que dans les têtes des gens, admis, comme Baouri l'a dit. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et il dit, gâtez le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit ici, il a dit, il a répété, il a répété. Moi, il dit que c'est le triomphalisme. Il a dit, c'est appuyé le pouvoir avec quel effort? Quel effort? Est-ce qu'il y a Haïti entre militaires? Est-ce qu'on on a même simple positionnement entre les militaires? C'est les gens, tout le monde qui a dit, ils vont prendre le pouvoir. Certes, ils étaient à côté comme garde corps, d'accord. Mais il ne faut pas aussi faire de dire n'importe quoi. Quel effort? Et qui a gâté le pouvoir? D'aller ici, même là, demande-le qui a gâté son pouvoir. Donc, qu'il faut qu'on arrête d'apporter des précisions fantaisistes. C'est très important. Moi, je vous dis, allez demander Baouri maintenant. Nous, on était arrêtés. Les deux qui se sont détachés, qui ont traversé la route, ce n'était pas Marcel. Je connais bien Marcel. C'est bon. Oui. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, Monsieur le Président. Je voulais simplement rappeler. Comme quoi, souvent, c'est ce qu'ils font, ils ont toujours attribué à Toumba. C'est Toumba créé de façon, comme ils ont voulu, les hommes de Toumba sont partis, c'est les leaders politiques. C'est les hommes de Toumba, c'est pour cela qu'on ne s'entendait pas lorsqu'il les avait arrêtés. Il est acquis au débat que c'était lui et le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui se sont rendus là-bas. Aucune volonté d'éclairer la religion du tribunal. Sinon, en toute sincérité, moi, ces jours, je n'ai ni le 27, ni le 28, je n'ai rencontré monsieur le ministre. Bon, nous parlons de la clinique Ambroise. Sinon, il n'y a même pas de débat. Le tribunal n'a qu'à nous départager par rapport à ça. Voilà, on va évoquer un autre sujet. Monsieur Marcel, vous avez dit ici que les agents ou quelques agents qui étaient dans le service de Monsieur Moussa Kiégoro Camara était coiffé en béret rouge. Est-ce que vous le réitérez? Oui, je le réitère si vous voulez aussi que je peux donner des explications. Allez-y. Monsieur le Président, dans tout le monde entier, et surtout en Afrique, la présidence, il n'y a pas deux corps. Il faut l'uniforme. L'uniforme est créé pour quoi? Pour que qu'un corps étranger puisse rentrer et immédiatement, il est facile de détecter. M. Tebro était dans l'enceinte de la présidence et affecté par il y avait des gendarmes affectés à son niveau. Ils portaient tous armés et coiffés en béret rouge. Cela même a créé de la touille-bouille à un moment donné à la présidence. On disait pourquoi les gendarmes portent les bérets rouges. Jusqu'à, ils sont allés arrêter les gens, soi-disant que voilà, c'est les hommes qui sont partis braquer, c'est les leaders. Ça, c'est avant le 28 septembre.
Donc, on les a dit qu'il ne faut plus porter le béret rouge. Ils ont dit net qu'ils sont à la présidence et ils ont été délocalisés. On les a envoyés toujours dans le camp vers Yimbaya à la sortie. Il y a l'étage qui était là-bas, ils ont occupé ça. Mais ils portaient le béret rouge. La population, Kamara, même, qu'est-ce que vous en dites? La population même connaît que c'est les bérets rouges qui étaient avec lui. C'est bon. Dans les patrouilles nocturnes et urnes. C'est bon. Oui, M. Kamara. C'est moi. Ça, c'est très grave. Mais c'est pas aussi grave, je t'en veux pas. C'est une question d'appréciation et de compréhension des choses. Il faut dire à M. Marcel, M. Marcel, nous sommes là. Il faut éviter de porter atteinte même à la dignité de quelqu'un. Moi, je vais porter béret rouge. C'est-à-dire, c'est là. Badé est venu ici, c'est à Manjo, ils sont venus ici, les témoins sont venus ici, que vous démontrez, comme la même question a été posée. Et tout le monde a compris que nulle part, de ma naissance, de mon recrutement, jusqu'à où je suis là, jamais je n'ai porté le béret rouge. Il a un pas témoin... été dit que c'est vous. Hein? Il dit que ce sont vos agents. Mais c'était impossible. Comment se fait-il que moi, je suis en béret vert, je commande ceux-là qui portent le béret rouge. Et ces gendarmes-là vont porter quel insigne sur ce béret rouge-là? Nous sommes orgueilleux. La gendarmerie, on ne peut pas. Aucun gendarme ne peut se le permettre. Ceux qui rentrent entre nous, ils n'ont qu'à exhiber une seule photo où, à part mes gardes-corps, ce qui est normal parce que même jusqu'au niveau du régime Alpha Condé, il y avait des citoyens simples ici qui avaient des bérets rouges derrière eux. À part de mes gardes-corps, les deux éléments qui se promenaient avec moi, qu'il exhibe une seule photo, une seule preuve ou un indice qui justifie que M. Kéboro était avec les bérets rouges. Quand vous dites ça à un gendarme, il se met à rire. Parce que c'est nulle part dans le monde aussi, comme il le dit, aucun gendarme ne peut porter le béret rouge et porter l'insigne gendarme là-dessus. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Le béret rouge, c'est pour les parachutistes. Et il faut une formation pour y aboutir. Donc, il faut qu'on change encore les versions. Je comprends, hein, l'opposition, c'est très important. Mais il faudrait que nous disions la vérité à ce tribunal, le permettant d'être vraiment, d'avoir une conviction par rapport à ce qu'il va prendre comme décision. Par rapport à l'accrochage qu'il fait, il n'y a pas du toi-boy là. Il n'y a pas de toi-boy. Demandez-le un seul jour s'il m'a vu au rassemblement, à leur rassemblement. Non. Ils ont créé un service. L'antidrogue a été créé et c'est-à-dire qu'il a même fait un retardement par rapport à la publication de la liste du gouvernement. Parce que moi, c'est entre-temps, les Nations Unies à travers l'ambassade ici a demandé à ce qu'on crée un service, c'est-à-dire spécialisé dans la lutte contre la drogue. À l'époque, la Guinée étant la plaque tournante du trafic international de drogue dans la sous-région ouest africaine. Donc, l'offre a été obtenue parce que la jeune qui vient de prendre le pouvoir voudrait quoi? Voulait un peu s'approcher et aux Nations Unies. Et à travers ça, le service a été créé. Moi, on m'a dit, j'ai d'abord refusé l'offre. C'est-à-dire, c'est là, ce gouvernement me voit maintenant quelque part. C'est le Premier ministre. Et tout le monde dit que c'est toi qui peux le faire. Il se peut qu'il se base sur un critère. J'ai accepté l'offre. Mais vos agents n'ont jamais porté de béret rouge. Jamais, je reviens sur ça. Monsieur, jamais, c'est bon. On était un service spécialisé. C'est bon, d'accord. S'il vous plaît. Monsieur Diakité, sur la question. Merci, monsieur le président, honorables assesseurs. Mais sur ce point, c'est que nous persistons et nous le confirmons également que les agents d'antidrogue de colonel Tchéboro étaient effectivement tous coiffés en béret rouge. Ils avaient même, parce que pour ne pas aider le tribunal, ils ont même ils se sont attribués le même chauffeur ici, sachant que ce dernier étant décédé, un certain Moto Moto.
Et nous, nous avons produit au débat ici. L'autre disait que c'était son chauffeur ce jour. Le colonel disait également la même chose que c'était son chauffeur. Mais ce moto-moto était coiffé en béret rouge. Lui, c'est son chauffeur. Par les gardes, il a dit de produire une preuve. Ça, c'est une preuve puisque cet événement n'était pas attendu pour préparer quelques preuves que ce soit. Mais, je sais, il est acquis au débat que les éléments étaient effectivement coiffés de béret rouge. C'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Si. Monsieur le Président, lui-même, il vient de dire qu'il n'a aucun autre élément de preuve exhibé devant ce tribunal. J'en suis heureux. Mais ce que j'ai à dire, c'est que... Il dit qu'il y a un élément de preuve. Non, parce qu'il a cité un certain moto-moto. D'abord, il dit que moto-moto était mon chauffeur. Non, un chauffeur dans mon service. On peut dire, c'est Blaise qui a dit ce jour-là, qu'en venant au stade, qu'il faisait sa patrouille avec moto-moto. Et vous voyez. Et moto-moto, on sait que moto-moto a subi. S'il a des photos avec eux, qu'il montre ces photos-là avec Blaise. Moto-moto était d'abord chez Sekouba avant de venir chez nous. S'ils ont pris des photos là-bas chez Sekouba, en tant que gendarme, je ne dis pas. Moi, je parle de mes éléments qui ont été mis à ma disposition par la gendarmerie nationale, général Badé. Est-ce que Motomoto était dans votre service? Motomoto était dans notre service. C'était un chauffeur. Est-ce qu'il était dans votre service? C'était un chauffeur, oui. Où? À l'antidrogue. Mais qui ne conduisait pas de groupe. Est-ce qu'il était dans votre service? C'est ce que je dis. Oui, Motomoto, c'était un gendarme. C'est un gendarme qui était à l'époque, d'abord à la présidence, avec Sekouba. Mais je reviens, pourquoi il n'y a plus la parole, c'est pas là-bas. Regardez, juste une petite démonstration. Le jour du 28 septembre, le matin, la police était là, la gendarmerie était là, et les trois pick-up qui étaient traditionnellement en patrouille ont fait, ils ont fait un ralliement. Qu'ils ont fait un ralliement devant la presse qui était là, ils ont fait un ralliement, et ce jour-là, on devait automatiquement voir un mélange de béret rouge et de béret vert et policiers. Pour vous dire que c'est un argument qu'ils avancent qui ne porte pas. Ce jour, quand les Blaise sont venus, vous avez effectivement vu l'image. Pas l'image, la photo qu'on a fait miroiter, je ne parle pas de ça. Mais dans les vidéos où les gens marchent là, vous voyez que les gendarmes sont en béret vert. Que tu appelles un Guinéen lambda de Yomou, de Fouta ou de Foto-Guinée, ils diront toujours que toutes nos missions que nous avons effectuées à l'intérieur du pays, les gens étaient habillés en body et en béret vert. Je t'aime là-dessus parce que franchement, je sais que c'est de la vérité crue. Monsieur Marcel, vous avez quelque chose à dire dessus? Moi, je persiste et que le colonel Tegro, ses hommes, portaient du béret rouge. Et je voulais lui rappeler que c'est pas... Le béret rouge n'est pas seulement pour les commandos dans les pays africains, mais les anglophones, il faut aller là-bas. Les gendarmes, c'est le béret rouge. Les gendarmes portent bien sûr le béret rouge. Voilà. Je voulais répondre. C'est pas important. S'il vous plaît, si c'est dans les pays étrangers, voilà. Oui, si c'est pour répondre. Nous ne sommes pas en étranger là, nous sommes en Guinée. Mais vous avez dit que dans le monde entier, les gendarmes ne portent pas le rouge. C'est pourquoi je vous réponds comme non, ça. On est en Guinée, là. Oui. Monsieur le Président, il y a plus une petite. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je suis en train allez-y. De dire. Allez-y. C'est bon. Voilà. Allez-y. Il a fait une déclaration confuse au départ. Quand il parle. Oui. C'est au tribunal d'apprécier. Oui, d'accord. Non, à mon sens. À mon sens. Quand il parle que. Les gens, ils ont arrêté les gens sous prétexte qu'ils ont arrêté, ils ont été chez Dalin arrêtés, tout cela. Mais c'est une évidence. Le président Alice, bien qu'il dise ici que oui, je ne supportais pas tout, mais allez demander Sekouba Konaté, demandez tous les chefs d'état-major. Ceux qui sont partis chez Dalin, c'était les bérets rouges. Mandatés de qui ou par qui, je ne sais pas. Mais ils ont été arrêtés, ils étaient nombre de 9. J'ai encore les PV disponibles. Cette question a été débattue pendant. J'ai encore les PV disponibles. Hein. Vous avez levé le petit doigt. Vous voulez dire quelque chose de nouveau? Bon. Je pense que c'était par rapport à ce même point. Voilà, pour dire, c'est ici au débat. Hélas,
soutenir comme quoi ce qui a été le point de discorde entre Toumba et lui, c'est le fait que les éléments de Toumba sont allés chez les leaders, pillés chez les leaders politiques et qu'il les a arrêtés, alors que Toumba est venu les délivrer. C'est ce qui a été révélé ici par les gardes de ces leaders même. Parce qu'à date, chez aucun leader, moi, je ne peux indexer si ce n'est pas ce que c'est bon. Donc, c'est les gardes même qui sont venus dire non, que c'est le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre, le secrétaire d'État à l'antidrogue, qui se sont rendus là-bas. C'est bon. Le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également aux honorables associés. Pratiquement, je n'ai qu'un seul point de contradiction qui concerne toujours cette affaire de la clinique Ambroise Paré. Ma question, première question, s'adresse d'abord à commandant Toumba Diakité. Commandant, vous avez déclaré ici, lors de votre passage devant ce tribunal, qu'au moment où vous avez réussi à sauver les leaders, notamment Lucien Ifal, Jean-Marie Doré, vous les avez conduits à la clinique Pasteur. Et y arrivé, Colonel Kébouro est venu vous trouver, mais également Marcel. Alors, est-ce que vous confirmez cela, que Marcel est venu avec ces éléments, un groupe de militaires, vous trouvez à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez qu'il n'était pas seul? Il n'était pas seul, ils sont venus simultanément avec le colonel. Je me demande pourquoi ils déforment ça. Ils sont venus simultanément. Les leaders ont dit, le président Lucien Ifal, il a décrit le contexte. Il disait, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai mis tout le monde au défi ici. J'ai dit, je mets quiconque au défi, les leaders politiques, qu'ils viennent ici. S'ils soutiennent le contraire de ce que j'ai dit, le tribunal n'a qu'à me faire ce qu'il veut. Alors, contrairement je ne savais même pas s'ils allaient venir. Contrairement aux déclarations de Marcel, il a toujours clamé ici qu'il était seul. Contrairement à sa déclaration, il était avec un groupe de militaires. Moi, je confirme ce que j'ai dit. Je confirme. Puisque nous n'étions pas dans le même programme du tout. C'est bon. C'est bon. Monsieur Marcel, capitaine Marcel, étiez-vous seul ou vous étiez avec vos hommes à la clinique? Moi, je n'avais pas d'homme. Ce que le commandant Toumba est en train d'expliquer, je ne le condamne pas. Il a vu le contexte comme ça. Parce que j'étais avec Tébro, j'étais derrière Tébro. C'est eux qui étaient avec les hommes. Et quand ils me voient avec dans le groupe, ils se sentent que je suis avec ce groupe. Donc, mais le résultat final est quoi? Je suis rentré seul avec le commandant Toumba au camp, sans troupes. C'est ce que je pourrais dire. Alors, commandant Toumba, il a déclaré que de la clinique, vous l'avez suivi encore avec vos éléments jusqu'à l'état-major. Est-ce que c'est une confusion également, puisque l'intégro n'était pas présent? Je n'étais pas avec Cortez pour suivre le commandant Toumba à la gendarmerie. Vous ne l'avez pas suivi à la gendarmerie? Je l'ai suivi à la gendarmerie, mais je n'étais pas avec des hommes. Commandant Toumba? Oui. Est-ce au niveau de l'état-major de la gendarmerie? Non. Commandant capitaine Marcel vous a suivi avec ses hommes, toujours avec ses hommes. Ce que j'ai dit, je confirme, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Kégoro, est-ce que vous aviez vu Marcel au stade? Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, que j'étais à distance, je n'ai pas bien observé ma saison. J'ai un peu tagané là-dessus.
Les gens pensaient que c'était pour dire oui ou non, oui ou non. Je n'avais pas la précision. Et Marcel, la deuxième sortie, a été claire ici. Il a dit, le colonel Tchegro a raison là-bas quand même. Vous pouvez regarder encore les vidéos. Parce qu'au stade, on était distant, il ne pouvait pas bien m'observer. Est-ce que vous l'avez vu? C'est ça sa question. Non, c'est ce que je dis. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est lui qui est venu confirmer ici, effectivement, que c'était lui, que j'ai raison là-bas, parce que celui, la distance qui nous séparait ne pouvait pas me permettre de bien l'observer. Et c'est vrai. Ça veut dire que c'était lui. Mais moi, je ne peux pas lui dire avec certitude, parce que celui que j'ai vu n'avait pas armé, il n'était pas armé et tout. Il a tout dit ici. Donc, vous avez vu quelqu'un qui lui ressemblait, n'est-ce pas? À Marcel. Oui. Oui. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez vu M. Kepro au stade? Dans la position où j'ai trouvé le colonel Tchegro, c'est ce que j'avais expliqué. J'ai trouvé le colonel Tchegro dans l'enceinte du stade, pas à l'esplanade. D'accord. La deuxième question. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous a vu? Ah, s'il m'a vu, je ne sais pas. Celui qui dit qu'il m'a vu en distance, et si j'étais au stade, il dit qu'il m'a vu en distance, et que moi-même, je suis parti, je n'ai rien à discuter pour ça. Est-ce que vous étiez proche de lui? Moi, je n'ai pas été proche au colonel Tchegro. Vous dites? Non. Le colonel Tchegro et moi, on n'a pas échangé au stade. Est-ce que vous étiez proche de lui? Parce que vous avez dit que... Je l'ai trouvé dans l'enceinte. Moi, personnellement, je l'ai trouvé dans l'enceinte juste au moment où ils étaient en agitation sur le président Sélo. Et moi, je n'étais pas en sécurité parce que j'étais seul. Allez-y, monsieur le procureur. Bien. Monsieur Toumba. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y avait des conteneurs au service du colonel Tchegro où les gens étaient gardés? Moi, je n'ai pas remarqué ça. Je n'étais pas fréquent là-bas. Je n'ai pas remarqué. Monsieur Marcel, vous avez constaté la présence des conteneurs à leur service? Des conteneurs? Des conteneurs, oui. Le coin du colonel Tchegro, moi, je ne fréquente pas. Il n'y avait pas de lien entre nous. Depuis qu'on les a délocalisés, quittés dans l'enceinte du camp, on les a enlevés. Au moment où j'étais dans l'enceinte du camp, il y avait les conteneurs là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans. Il y avait deux petits conteneurs que le général Lance-Rencontre avait laissés. Il y avait les tenues militaires dedans, dont on avait enlevé, doté les hommes avec. Mais à part ça... Quand ils ont été délocalisés, nous, on ne partait pas. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de frottement, ni rien. Est-ce que ces deux conteneurs étaient à leur compte? Quel conteneur? Les deux conteneurs, est-ce qu'ils étaient au compte du service? Non, quand vous dites qu'il y avait, s'il y avait un conteneur, j'ai dit au moment où j'étais dans l'enceinte de la présidente, dans la cour réelle, il y avait deux conteneurs, mais c'est la tenue militaire qui était dedans. Oui, je repose la question. Est-ce que ces deux conteneurs étaient au compte de leur service? Je n'ai pas vérifié ça, monsieur. Merci. Colonel Tchegro, oui. Est-ce qu'il y avait des conteneurs au niveau de votre service où vous gardiez les gens? Moi, je l'ai dit ici, et d'autres personnes, d'autres victimes ou supposées victimes l'ont déclaré ici. Moi, je n'avais pas de conteneurs. Et mieux que ça, le violon, je ne nie pas. C'est un service spécialisé, lutte contre la drogue, grand banditisme, et doté de policiers, d'officiers, d'agents policiers qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. On ne peut pas faire autrement, sinon qu'avoir un violon. Mais il y a un qui est venu ici, je l'ai bien noté, parce que là j'ai noté, il a dit qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. Et moi je reconnais qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. Si quelqu'un le dit, qu'il apporte les preuves. D'accord. Là... Troisième question, c'est par rapport au chauffeur moto-moto. Vous dites qu'il était gendarme. Moto-moto était gendarme. Et c'est vrai. Il était à votre service? Si, c'est comme tout autre gendarme chauffeur. Mais à mon service, il ne portait pas le béret rouge. Non, permettez. Il a travaillé. Non, permettez. Oui, d'accord. On y va y arriver. Moto-moto était un chauffeur à votre service, n'est-ce pas? Il ne portait pas de béret rouge? Pas du tout. Et la photo qui a été exhibée ici? La preuve que... Oui, non, je ne dis pas le contraire, que ce n'est pas moto-moto. Mais est-ce que cette photo a été prise à l'antidrogue? Oui, permettez. La photo qui a été exhibée ici, est-ce qu'il s'agissait bien de lui?
Si, c'est bien Motomoto. Oui. C'était bien lui. Oui. Vous l'avez vu avec le béret rouge. Ah si, je l'ai vu avec le béret rouge. Mais c'est ce que je vous explique là. Motomoto. C'est tout, j'ai fini. Oui, je vous ai dit. Merci, monsieur le président. D'accord. J'ai fini. Je peux vraiment. Non, je n'ai pas fini. Merci, là. Monsieur le président. Précision, le parquet a terminé. C'est bon. Non, c'est une précision, petite précision. C'est important pour vous. C'est bon. D'accord. Parti civil. Défense. Pas de question, monsieur le président. Passez le micro. Allez-y, doyen, on vous attend. Le président m'attend. N'avez bon, rien à dire. Reconnaissons seulement que vous avez été un bon agent de la transition, c'est ça? Un bon agent de la transition. Pas de réponse. Je vous remercie, monsieur le président. Vous pouvez partir vous rasseoir dans le box, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, vous pouvez rester. Restez. Oui, Marcel. Monsieur Marcel Ali. Monsieur. Monsieur Goumou. Monsieur Goumou, lors de votre interrogatoire ici, vous avez dit que vous avez vu Monsieur Aboubakar Diakité. Aboubakar Diakité Toumba, à la tête d'une colonne de bérets rouges, en train de tirer, en rentrant dans le stade. Est-ce que vous le confirmez? Ou si vous pouvez reprendre. Merci, monsieur le président. Effectivement, je confirme par devant votre tribunal, au stade, j'ai vu le commandant Diakité, alias Toumba, qui était venu avec un contingent de blé rouge. Il est descendu. Et les blés rouges qui étaient derrière lui sont descendus. Ils sont arrivés à sa hauteur. Ils l'ont encerclé. Et ils se sont mis à tirer en rentrant au stade, à l'intérieur du stade. Et lui-même, monsieur le président, il a confirmé par devant votre tribunal qu'il était venu. Et à son arrivée, il y a un autre contingent qui était arrivé à sa hauteur. C'est eux qui tiraient. Et au-delà de tout, il y a eu d'autres parties civiles qui ont confirmé. Est-ce que vous, vous confirmez vos dires? Je confirme. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, monsieur le président. Une colonne de bérets rouges. Je l'ai vu, monsieur le président. Ensemble, ils se sont mis à tirer. Lui-même, il était en train de tirer. Ensemble, ils se sont mis à tirer en rentrant au stade. Monsieur Diakité, qu'est-ce que vous en dites? Merci, monsieur le président. Ce que je peux dire par rapport au colonel Blaise, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas
Je me souviens de mon premier passage, je n'ai pas dit assez de choses sur lui, puisque ce que, à ma souvenance, moi, c'est juste au compte de Kaléa comme instructeur. Cela ne veut pas dire que je ne le voyais pas à la présence, mais je n'avais pas du tout, voilà, beaucoup de choses sur lui. Donc, je ne savais même pas s'il était encore au stade. Sinon, lors de mon premier passage, je l'aurais dit. Et ce que je peux seulement, puisque c'est comme ça qu'il a pensé, je vais simplement dire que moi aussi, il y a un témoin de l'accusation en charge qui est passé, comme je l'ai dit, M. Lucenifal. Je sais que d'autres, s'ils étaient venus, ils auraient dit plus que ça également. Et je crois le général Bafoué, que je respecte beaucoup, tout le monde comprendra que dans son PV, j'étais très chargé par lui, mais il est venu par devant le tribunal assumer à l'instruction définitive ce qu'il aurait constaté et que au moment que Toumba venait avec les leaders politiques, le président même a demandé les véhicules, les pick-up qui étaient garés là-bas avaient décroché, qui n'étaient pas là-bas. Et celui qui a parlé de décrochage ici, je pense bel et bien, c'est mon colonel Blaise. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il était venu ou s'il n'était pas au stade. Mais moi, ce que je peux le rassurer, ce n'est pas Toumba, il l'a vu du tout. Et d'ailleurs, je crois, à moins que je ne me trompe, le colonel Tchegbro, si, en tout cas je ne me trompe pas, a soutenu ici qu'ils étaient ensemble à l'enceinte du stade. Donc, en un mot, vous, ce n'était pas vous. Ce n'était pas du tout moi. Du tout. Moi, je dis, et d'ailleurs, puisqu'il m'associe aux gens, et ils ont expliqué comment nous sommes arrivés. C'est bon. Donc, il n'a qu'à se détromper. C'est bon. Moi, je ne connais rien de lui. Vous l'avez entendu, monsieur Ogumu. Il dit que ce n'était pas lui que vous avez vu. Monsieur le Président, c'est un croyant. Il a toujours récité les versets coraniques. Je suis un chrétien. Au-delà de ma foi chrétienne, c'est une bonne éducation familiale. Je suis sous serment. Je n'ai jamais articulé de contre-vérité contre mon procès. Quand il est dit dans les 10 commandements de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Je l'ai vu. Ce n'était pas une personne cachée. Je l'ai vu. Et si le procureur se rappelle, il y a une partie civile qui est venue ici qui a décrit les mêmes circonstances que j'ai décrites. Le procureur a dit, donc on peut conclure que ce qu'un accusé de boxe a dit, c'est la même chose. La partie civile a dit, effectivement, c'est ça. Un avocat de la partie civile a clairement donné mon nom, que le colonel Blaise aurait déclaré ça, 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 ça. La personne-là a dit oui. Je ne peux pas mentir sur lui. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Je crois bien. Il n'a qu'à, c'est-à-dire, soutenir ce que lui il est en train de ses propos. Sinon, aucune victime à l'instruction définitive ici. Tous les documents, puisqu'il ne s'attendait pas que Toumba allait revenir. Moi, je ne suis pas dans les...
Moi, je, même mon éducation ou autre ne me permet pas, moi, de faire des affabulations. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas battu. C'est bon. Donc, c'est lui qui sait les documents, qu'il me montre un. Même les témoins de l'accusation à l'instruction définitive devant Monsieur le Président et honorable assesseur. Les victimes à l'instruction définitive ici, puisque Toumba est revenu, tout ce qui a été monté après moi, moi je ne suis pas dans ça. Admettez la réalité, je pense que ça c'est bon. Moi, je n'ai pas connu votre emploi de temps, je ne vous ai pas vu. Mais selon ce qu'ils ont dit, c'est lui qui a décroché avec les gens. C'est bon, monsieur. C'est bel et bien vous. Ministère public. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Nous allons revenir sur ce que vous avez en panne de ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire. Le 25 janvier 2023. Parlant justement de M. Aboubacar Diakité dit Toumba, parce que la confrontation, c'est entre vous deux, vous avez dit ceci. D'abord, vous avez dit que c'est la première fois que vous croisez les bérets rouges de la présidence lors d'une manifestation. Vous ajoutiez que Toumba était devant avec 5 pick-up. Est-ce que vous confirmez ça? J'ai dit 4 à 5. 4 à 5. Très bien. Et vous avez dit que M. Toumba Diakité a été le premier à tirer. Vous le confirmez également? Quand il est descendu, il a tiré. Les autres ont emboîté le pas. J'ai dit ça. Alors, quelle était votre position, vous? Monsieur le procureur. Monsieur le président. Il ne faut pas que ça prenne l'allure d'un interrogatoire. Ça n'est pas un. Allez-y. C'est juste par rapport à la contradiction qui pourrait exister entre ces déclarations et celles de Monsieur Aboubacar Diakité du Toumba. Je demande votre position. Je pense que ces jours-là, j'avais bien décrit ma position. Je vous ai dit que j'étais à l'angle, là où se trouve la pétestation totale, là, à l'angle. Et ils sont venus, ils sont descendus là où on vend les journaux. Très bien. Monsieur Aboubacar Diakité. Oui, monsieur le président. Sur la même question, est-ce que vous étiez à la tête des bérets rouges? Et vous étiez, en fait, vous étiez dans 4 ou 5 pick-up suivant ce que décrit M. Blaise Goum. Non, j'affirme ça. Moi, je suis venu tel que je l'ai décrit à bord de mon véhicule personnel. Je l'ai vous décrit. N'étiez pas dans un pick-up. Du tout. Vous n'étiez pas en compagnie. En de, compagnie du tout. D'autres personnes. En fait, je me souviens. Monsieur Diakité. Je me souviens, monsieur le procureur, et donc, j'avais souligné ici que avant, les éléments à la présence étaient tous dotés de pick-up blancs. C'est pourquoi, lorsqu'il a parlé de pick-up blancs ici, c'est lui seul qui connaît ce qu'il a vu là-bas. Mais moi, je ne suis venu, je suis sorti avec Formo. Je suis venu à bord de mon véhicule personnel. Vous n'étiez pas accompagné de pick-up? Du tout, monsieur le procureur. Merci. Monsieur le président, du le tout. Parquet en a fini. La défense, partie civile. Du tout. Mon colonel Blaise. Oui, maître. Vous vous rappelez avoir dit ici que vous, si on vous aviez donné la possibilité ou l'ordre d'arrêter M. Toumba, que vous l'aurez fait, vous le maintenez?
Moi, je pense qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Le thème évoqué par le si, président... Si, vous l'avez dit ici, que vous étiez capable de le faire arrêter. Vous l'aviez dit. Le thème évoqué tout de suite par M. le Président, c'est ce que nous sommes en train de déballer. Non. Répondez à la question. En quoi c'est nécessaire? Pardon, M. le Président? En quoi c'est nécessaire? D'accord. C'est juste pour faire comprendre à la Cour la sincérité de ses propos. Parce que lui, il a dit qu'il est capable de faire arrêter Toumba. M. Toumba qui a défié tout un cortège présidentiel. Est-ce que c'est un gendarme qui peut le faire? Non, ça peut nous dire quand même... Est-ce que vous avez dit que vous allez... Il mais a les, dit ici. Mais M. le Président, les contextes ne sont pas de même. Est-ce oui, que mais vous l'avez dit? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai dit que si j'étais le haut commandant de la gendarmerie nationale et que Toumba était venu taper avec le pied la porte du haut commandant de la gendarmerie nationale rentrer, si c'est moi qui étais le haut commandant à l'époque là, je l'aurais arrêté. Donc, c'est pas... C'est bon. Oui. D'accord. Avez-vous un autre témoin qui pourra appuyer vos déclarations comme quoi vous avez vu le commandant Toumba tirer et à la tête de 5 pick-up de gendarmes? Ce n'est pas un interrogatoire, maître. Oui, d'accord. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Il n'y a plus de questions. La défense. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît. Vous pouvez partir. Cette affaire est renvoyée au 16 avril 2024 pour la suite des confrontations. L'audience est levée.